Si yo fuera tecolote, no me gustaría volar. Estuviera mi didito acabándome de criar. Si yo fuera tecolote, no me gustaría volar. Estuviera mi didito acabándome de criar. Te curicú, ricú, ricú. Te curicú, ricú, ricú. Estuviera mi didito acabándome de criar. Acabándome de criar. Pour moi, l'art, c'est un don, c'est l'expression d'une générosité. Donc moi, je me fais le capteur de ça, enfin je suis un capteur, comme il y en a partout. Et puis, de temps en temps, je reçois des choses, voilà. Benjamin fait quand même une peinture assez forte. C'est très intéressant de voir quel genre d'émotion les gens reçoivent. Hein, moi, j'en reçois une devant ce tableau-là en particulier. Et puis, il y a des gens qui viennent chez moi et qui systématiquement se placent dos au tableau parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Hein, je pense que ce n'est pas une peinture qui laisse indifférent. Mais ça ne va pas être la même émotion. On fonctionne tous aussi avec notre passif, notre chemin. L'important avec les frères Carbone et Antonio Rodriguez, c'est qu'effectivement ils sont porteurs d'un message, un message d'espoir. Et je crois que le travail qu'ils ont, qu'ils mènent de façon individuelle en tant qu'artiste, en tant qu'individu, au sens propre, leur permet d'avoir des projets personnels et de pouvoir se retrouver sur des projets collectifs qui se nourrissent de leur démarche individuelle. Et je crois que cette expérience-là, elle mérite d'être montrée, d'être présenté au plus grand nombre et peut-être à ces futurs artistes en herbe dont vous parliez tout à l'heure pour leur montrer que individuellement c'est important d'exister mais qu'on est rapidement vite seul et être dans un collectif, être dans l'échange, être dans la réflexion, être dans le partage et même être dans la confrontation, c'est extrêmement profitable. Je crois que les œuvres qui sont présentées par les Carbone et Antonio Rodriguez montrent cela. Ce que j'aime, c'est notre complicité à tous les trois. Dans le travail, dans la vie, c'est pareil, quoi. Dans notre engagement ici et le fait d'être trois, c'est très très fort. On est ensemble, on a des choses à dire qui se rejoignent, quoi. Et dire seul, les dire à trois, eh ben c'est pas pareil. Comme pour les dire à 10, à 20, à 10 000, à 100 000, c'est encore autre chose. Ce qui me plaît aussi, voilà, c'est qu'on part tous les trois ensemble, on voyage par notre travail, dans tous ces échanges qu'on a, ce qu'on se retrouve tous les trois. On travaille, on fait la fête, on vit, on, voilà, on en profite, on savoure. Voilà, et ça se ressent dans ce qu'on fait. L'atelier n'est pas un lieu, c'est un cœur, un poumon, un abri, un fil de funambule, une église, un bordel, un désert, une foule en furie. C'est là, là que l'on vit, là que les visages éclatent, là que les mots se chevauchent, là que les corps deviennent des chrysalides, là que nos enfants viennent nous voir, là que le voisin vient nous raconter ses malheurs, là qu'il n'y a pas besoin de parler pour se faire comprendre. La démarche, le concept, le lieu, la rencontre. Que ça soit à cette hauteur-là, et ça encore c'est trop bas, ça faut le monter. Faut qu'il y ait un... C'est un peu comme moi quand je bosse, c'est un face-à-face permanent avec la toile, où tu vois, où le personnage qui est en face, il me balance des émotions, et moi j'essaye de faire en sorte de révéler ce qu'il a à me dire, et donc il faut vraiment que ça soit un face-à-face, donc je travaille à cette hauteur-là. Et donc après quand je le présente, il faut que je le présente à cette hauteur-là aussi, et pas plus haut, pas plus bas, il faut vraiment que ça soit en face. La rencontre qui s'est faite ici avec, avec Benjamin, c'est des rencontres de pur hasard. Sa peinture me racontait quelque chose, et je pense que mes textes lui racontaient quelque chose. Je suis voisin, en fait, de ces artistes. Je crois que j'étais là même avant qu'ils arrivent. Et donc j'ai rencontré Benjamin au tout début de l'ouverture de l'atelier. J'ai même rencontré Tonio avant qu'il se mette à peindre. C'est-à-dire qu'au départ, Tonio, il écrivait uniquement. Et puis rapidement, il s'est mis à écrire sur la toile.
Et j'ai été surpris qu'en si peu de temps, pour quelqu'un qui n'avait jamais touché un pinceau, il arrive à ce résultat, quoi.